tracteurs, signe indéniable de la mobilisation paysanne pour protéger les terres, les habitants et les paysans de Notre-Dame-des-Landes. Parce que le cas de Notre-Dame-des-Landes est devenu un enjeu emblématique national, voire international, il est primordial de le stopper pour poser la jurisprudence qui nous protégera de l'appétit féroce des bétonneurs sans scrupules, dévoreurs de terres agricoles. Monsieur Hollande, nous vous redemandons instamment et solennellement d'honorer vos engagements, de faire retirer immédiatement ce référé contre les occupants historiques et de réaffirmer clairement et sans ambiguïté qu'il n'y aura aucune expulsion sur l'ensemble de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes jusqu'à l'aboutissement complet de tous les recours. Si vous croyez, messieurs les cols blancs de chez Vinci et les énarques des salons parisiens, que vous pourriez casser notre mobilisation en frappant lâchement nos potes de Notre-Dame-des-Landes, mais vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Notre détermination est proportionnelle à notre colère et la mobilisation ne fait que gonfler. Monsieur Hollande, stopper cette procédure, c'est éviter le pire que pourrait provoquer l'éclatement de cette colère. Et avant que des va-t-en-guerre inconscients ne provoquent l'irréparable, Monsieur Hollande, décrétez donc l'abandon définitif de ce foutu projet. Qu'on arrête au moins toutes ces procédures contre les paysans et les paysannes de Notre-Dame-des-Landes et que dans un deuxième temps, on arrête ce foutu projet de Notre-Dame-des-Landes parce que vraiment, il faut arrêter ce genre de conneries. Les grands projets inutiles imposés en France, c'est vraiment une connerie monumentale. Et si on a fait une COP21, c'est bien pour arrêter ce genre de conneries. Mais aujourd'hui, je suis apaisé parce que quand je vois tout le monde qui est venu soutenir les habitants, les paysans de Notre-Dame, franchement, je suis content de vous. Je suis content que vous êtes là. Et franchement, je suis réconforté. Et ça me rend encore un peu plus fort pour pouvoir rester intransigeant sur notre position. Jamais il n'y aura d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. L'urgence est pour nous à présent de répondre à leur côté à cette menace et d'obtenir l'abandon de toutes les procédures d'expulsion. Nous appelons à résister par tous les moyens que nous pourrons trouver pour faire échec à une nouvelle opération César. Le comité de pilotage pour un avenir sans aéroport lance un appel d'offres pour des travaux sur la ZAD des 30 et 31 janvier 2016. Cet appel d'offres s'adresse à toutes celles et ceux qui participent à la lutte dans la région et bien au-delà, qu'ils soient organisés en comité ou en groupe d'amis. Il est destiné à renforcer les structures collectives, matérielles, agricoles, défensives et festives existantes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il s'agit de travaux divers, adaptés à tous les goûts et à tous les corps de métier. Les chantiers mentionnés devront être effectués, ou tout au moins sérieusement démarrés, les 30 et 31 janvier 2016. Les chantiers se poursuivront sur la ZAD tout au long de l'année. Chaque comité ou tout individu entreprenant est invité à nous faire part du lot qu'il souhaiterait pourvoir et sera mis en contact pour la mise en œuvre avec les membres référents du comité de pilotage pour un avenir sans aéroport. Chaque comité ou groupe responsable de chantier sera invité à jumeler à ce moment-là le lieu dit chemin, lieu de vie ou d'activité concerné sur la ZAD avec un lieu de son choix dans sa bourgade ou son quartier pour que les échanges se prolongent bien au-delà du week-end. Puisqu'il n'y aura pas d'aéroport, nous défendons ce territoire et y vivons ensemble de diverses manières dans un riche brassage. Nous comptons y vivre encore longtemps et il nous importe de prendre soin de ce bocage, de ses habitants, de sa diversité, de sa flore, de sa faune et de tout ce qui s'y partage. Une fois le projet d'aéroport abandonné, nous voulons... Premièrement, que les habitants, propriétaires ou locataires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'expulsion puissent rester sur la zone et retrouver leurs droits. Que les agriculteurs et agricultrices impactés en lutte, ayant refusé de plier face à AGO Vinci, puissent continuer de cultiver librement les terres dont ils et elles ont l'usage, recouvrir leurs droits et poursuivre leurs activités dans de bonnes conditions. Que les nouveaux habitants venus occuper la ZAD pour prendre part à la lutte puissent rester sur la zone. Que ce qui s'est construit depuis 2016 dans le mouvement d'occupation en termes d'expérimentation agricole hors cadre, d'habitat autoconstruit ou d'habitat léger, cabane, caravane, yurt,
etc. De formes de vie et de lutte puissent se maintenir et se poursuivre. Distribué chaque année par la Chambre d'agriculture pour le compte de Géo Vinci, sous la forme de baux précaires, soit pris en charge par une entité issue du mouvement de lutte qui rassemblera toutes ses composantes. Que ce soit donc le mouvement entier agropain et non les institutions habituelles qui déterminent l'usage de ces terres. Enfin, que ces bases deviennent une réalité par notre détermination collective. Et nous porterons une attention ensemble à résoudre les éventuels conflits liés à leur mise en œuvre. Nous semons et construisons déjà un avenir sans aéroport, dans la diversité et la cohésion. C'est à nous toutes, dès aujourd'hui, de le faire fleurir et de le défendre. Mais comme on est à Bouguenay et que j'ai été longtemps élue de Bouguenay, je vais vous donner une toute petite lueur d'espoir. Pour ceux qui sont passés par le pont, vous avez vu cette grande vallée qui est là. Là, c'est une zone inondable. Cette grande vallée, elle était classée au plan d'occupation des sols, c'est comme ça qu'on l'appelait avant, constructible, industrielle, lourde. Le port autonome voulait faire des quais bétonnés, une zone inondable. La ville de Bouguenay, j'ai honte de le dire, mais je le dis quand même, la ville de Bouguenay avait même envisagé ici une implantation commerciale, un Leclerc, un Ikea, vous voyez là, juste au pied du pont. Super emplacement. Et puis un jour, on s'est quand même dit qu'on marchait sur la tête, que cette zone-là, il fallait la protéger, il fallait la déclasser et la mettre en espace naturel. Et on l'a fait. Donc, cette zone que vous voyez là, inondable, avec des espèces aussi particulières de faune, flore, on a réussi à la sauver. Donc c'est possible de revenir sur un mauvais projet. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse comprendre aux politiques au plus haut niveau. Ils ont l'impression qu'ils perdraient la face. Au contraire, je crois vraiment qu'ils pourraient regagner un tout petit peu de confiance peut-être de la part des citoyens. En tout cas, ça n'est certainement pas en s'obstinant dans un très mauvais projet qu'ils font le monde que nous voulons vivre demain. Voilà. Donc regardez la grande vallée et puis dites-vous que ce qu'on a pu faire ici, on le fera sur le bocage de Notre-Dame-des-Landes. Merci. Aujourd'hui, on parle des expressions de la ZAD. On est aussi intéressé par toutes les luttes que vivent les différents comités locaux et par les luttes par chez nous. En effet, on ne veut pas avancer que sur la question de l'aéroport, mais bien que des luttes vivent un peu partout, y compris à Nantes. Le monde dans lequel s'inscrit l'aéroport est celui au service du capitalisme et du pouvoir, qui nous impose l'état d'urgence, les nouvelles lois sécuritaires, qui oppriment et exploitent aux quatre coins du monde. Ça fait donc 3 ans que des dizaines de passionnés de la nature qui connaissent aussi bien les roches que les animaux que les végétaux sont là au moins une fois par mois, voire plus souvent pour voir ce qu'il y a à voir là-bas. Et ce qu'on y voit, c'est vraiment pas mal. On a été, étonnés et ravis de la richesse de ce lieu. Il est démontré que l'urbanisation, si ce n'est consécutive à la fermeture de l'aéroport Nantes-Atlantique, serait plus néfaste à la faune que le maintien de l'aéroport lui-même. On a aussi pu montrer que la zone, la ZAD, contient plus d'habitat naturel pris en compte par la Directive européenne de Natura 2000 que certains autres espaces Natura 2000. Il ne s'agit pas de mettre un aéroport à côté d'une zone, mais de la couper en deux, de couper ce pont vivant, cette zone humide exceptionnelle qui fait le lien entre les bassins versants de la Vilaine et de la Loire. Il s'agit de la couper en deux, de la bétonner d'un bout à l'autre, et bien sûr, tout cela est totalement irréversible. C'est pas simplement une zone qui s'est enrichie depuis 40 ans que le projet gèle les terres. C'est plutôt une richesse naturelle qui a été détruite définitivement dans tous les autres lieux alentour. Par drainage, urbanisation, intensification de l'agriculture, fertilisation. Et qui n'existe plus que là. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra plus refaire nulle part. Donc il faut bien savoir que les compensations sont une illusion,
qu'on pourrait parler au mieux de consolation écologique pour qu'on arrête de pleurer. Mais nous, il ne s'agit pas de nous consoler, on résistera jusqu'au bout. On peut tout simplement pas laisser détruire tout ça, voilà. Et avec notre expertise, on peut le redire encore. Pour les espèces protégées, donc on a inventorié 5 espèces qui n'étaient pas dans les études officielles. Ça fait un bon moment qu'on leur demande d'aller constater sur place, officiellement. Ils n'ont pas voulu le faire. Donc voilà, ils peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été au courant, puisqu'on le répète voilà, publiquement. Et puisque Manuel Valls parle d'état de droit tous les jours, l'état de droit lui demande de faire des dossiers de dérogation en bonne et due forme pour ces espèces-là. Ce qui demande une année d'études sérieuses. Voilà. Il ne faudrait pas que ce soit une parodie d'études comme ce qu'on a eu jusque-là. Voilà, donc on a beau dire qu'il y a des recours environnementaux qui sont rejetés, tout ça c'est de la poudre aux yeux. Comme le déplacement d'espèces protégées, il s'agit de déplacer quelques individus de 4 espèces protégées sur les 130 espèces protégées qu'on a vues, et déplacer quelques individus sans garantie de succès. Il nous parle d'une expérimentation scientifique sur les déplacements des espèces. À mon avis, ils n'en ont pas besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est de faire une expérimentation sur vous, sur l'opinion publique, de voir s'ils réussissent à faire passer cette couleuvre. Et on va leur dire non. Ma vie est en danger par des élus à un but de pouvoir. Ils veulent me massacrer et vandaliser mon terroir. Piller la position pour un projet pharaonique. Dépenser des millions pour un désastre écologique. Citoyens, sois vigilants, car Notre-Dame des Landes, c'est la terre de tes parents. Citoyennes, sois vigilantes, car Notre-Dame des Landes,